Entre l'Auvergne, le Quercy, le Périgord et le Limousin, auquel elle appartient, la Corrèze, pays occitan, est un jardin verdoyant constellé de lacs argentés et de rivières filantes. La Dordogne et la Maronne, que vous allez longer au fil de ces images, vous invitent à découvrir toutes les techniques de la pêche à la mouche en compagnie de Jean-Pierre Coudou, guide professionnel. Suivez la beauté, la précision de chacun de ses gestes, en communion intense avec une nature vibrante de fraîcheur et de douceur de vivre. Écoutez, là, nous sommes sur les bords de la Dordogne, au pont de Brivezac. Ici, on a tous les coups classiques de la Dordogne. Donc là, je vais monter ma canne, c'est une 10 pieds 4. C'est ma canne de prédilection pour la Dordogne. C'est une canne douce, donc pour lancer une soie fine, là, c'est un lisse. La pêche pour moi, la pêche à la mouche, c'est précision et discrétion. Donc c'est une canne qui me permet de lancer une soie fine que je vais monter. Là, j'ai fait un bas de ligne relativement long, ce qui doit être sur la Dordogne pour être plus efficace et fin, puisque je vais commencer à pêcher le lisse. Donc plus c'est lisse, plus on met un bas de ligne fin, puisque plus le poisson est difficile à prendre. Quelques petits trucs de base. Donc, je vais choisir une petite mouche. Ici on a des ombres et des truites, donc je vais opter pour une mouche à ombre. Si jamais je changerai en fonction de ce qui va se passer sur la rivière, c'est la rivière qui décide, hein, c'est-à-dire les éphémères qui se trouvent et les poissons. Là, j'ai opté pour une petite imitation d'Imita, une petite éphémère. Thank you.
Voilà. Je vais graisser légèrement les hackles de la mouche. Et la graisse naturelle, je préfère la graisse naturelle, c'est le meilleur potaison. Je ne graisse pas la pointe de mon bas de ligne, mais comme j'utilise un bas de ligne tressé, dit tressé, je vais graisser la partie tressée du bas de ligne. Voilà, je suis prêt. Voilà, une longueur et demie de canne, c'est bon. Deux longueurs. Voilà. Donc le revers, c'est un lancer qui permet de poser courbe pour les poissons qui sont légèrement en amont de moi, à ma hauteur et légèrement en aval. Le lancer revers est un lancer qui est, à mon avis, pas assez pratiqué. C'est un de mes coups de prédilection. Ça permet de mieux présenter la mouche au poisson. Mouche en premier, et ça retarde le dragage. Donc le lancer tout droit décalé est fait pour attaquer des poissons qui sont à l'aval. Une pêche qui est issue de la pêche de l'ombre, un posé qui est issu de la pêche de l'ombre. Donc je fais un coup droit classique en regardant la balle et je décale ma canne sur la droite pour mettre la mouche en premier derrière le bas de ligne et je fais remonter ma soie. Ainsi la mouche est en premier et je ne dérive beaucoup plus loin. Jean-Pierre Coudou, oui. Content de vous voir. Ah ben, oui, moi aussi. Parce ben, qu'aujourd'hui, oui. On se casse un peu les dents sur la Dordogne. J'ai quelques sèches pour le coup du soir. Est-ce que vous pensez que j'ai la bonne mouche? Pour ce soir, oui. C'est un problème d'heure, à mon avis. Les ombres sont difficiles dans la journée. Bon, ça, c'est des bonnes mouches, c'est des sèches. Ça va être bon aux alentours de sur la première éclosion de sèche, disons, à cette époque de l'année, ouais, 7h30. D'accord, 19h30. Voilà. Bon, corps olive, contenu de la saison, ou corps rouge?
un peu olive et je vais sur le rouge plutôt vers la tombée du soir. Voilà, et puis des gros cèdres émergents qui draguent. Entendu, j'en ai pas sur moi, mais peut-être que vous avez d'autres mouches à me montrer. Pour la journée, pour les hommes, à mon avis, ce qui est important, c'est les dérives. C'est-à-dire qu'ils sont quand même relativement difficiles, pêcher. Très fin. Il faut pêcher fin et avoir la dérive la plus longue possible. Donc c'est le revers, etc. Pour arriver à avoir une bonne dérive. Et ensuite, il faut mettre des mouches qui sont relativement petites, aérées. Ouais. Est-ce que vous continuez encore, excusez-moi de vous couper, avec des coupions de canard ou vous changez un petit peu, compte tenu quand même, je pense que sur cette rivière, ils envoient pas mal défiler. C'est ça. Alors que moi, j'utilise de plus en plus des mouches. Je reviens au atoll parce qu'elles sont plus aérées. D'accord. Donc plus légères et plus en prise avec les mouches qui sont... Je vois que vous en avez avec des tags de plusieurs couleurs. Ouais. Il y a des tags orange, des tags rouges, des tags noirs. Selon votre inspiration. Oui, et puis et votre secret que vous n'allez pas complètement nous délivrer. Voilà. Je délivre tous mes secrets. D'accord, vous êtes un guide parfait. Ouais, non, mon métier c'est de faire plaisir aux gens. Et donc là, quand il faut sortir la bonne mouche, je la sors. Hein. Eh bien écoutez, je vous remercie. Je vais faire les sets pour le soir. D'accord, avec plaisir. Donc ça c'est mes boîtes à ombre, donc vous avez vu, hein, c'est tout petit. Vous n'avez pas de boîte à mouche? Oh, c'est pas très beau ce que j'ai. C'est bon, rien. J'ai les sept. Mais non, ça vaut pas rien. Mais il faut bien débuter quelque part. Quelques sept. Ah, magnifique. Ça, donc c'est un sedge émergent. D'accord. C'est le sedge de. Ah, c'est déjà bon, que j'appelle l'anti-bredouille. Ah oui, c'est quand même. Mais c'est le sedge du dernier quart d'heure. Ah, oui, hein, ça c'est pour voir clair. Hein. Ça imite le stade où le tricoptère monte et éjecte le gibier, donc sa peau. D'accord. Et pour éjecter sa peau, il remue dans le. Parfait. C'est ce sedge-là qu'on utilise en marge, qu'on fait draguer. Vraiment à la tombée de la nuit. À la tombée de la nuit. C'est souvent avec ce sedge-là qu'on prend les plus gros. D'accord. Et même au tendu. Voilà, fil tendu, et on l'anime sur le gobelet. D'accord. Le petit truc. Vous voyez comme vous disiez ça, mais la petite vibration que je crois comprendre. Voilà, exactement. Ouais. Mais ouais, écoutez, on va essayer des ça. Des petits sedges, voilà, classique. Hein. Et dans la journée, plus petit. Attention aux fourmis, il peut y en avoir à cette époque-là. Déjà. C'est pas un peu tôt? Il peut y en avoir si le temps est bien lourd. D'accord, c'est un peu orageux. D'accord. Maintenant que vous avez ces bons conseils, si nous avions essayé. Ouais. Moi, j'ai monté carrément un sedge hacle en coupion de canard, corps olive. Ça me paraît pas mauvais. On va essayer. Déjà, on va travailler les lancers. On va y aller parce que lui, et c'est parti. Et c'est là que je fais quelque chose. Et là, je prends. C'est parti, hein? Ouais. On se trouve ici sur la Marronne, la basse Marronne, c'est-à-dire vers son embouchure avec la Dordogne. On revient à une pêche traditionnelle, plus traditionnelle en tous les cas, que la pêche de la Dordogne qu'on a vue. Donc on revient à une rivière moyenne. On va toujours la pêcher en sèche, bien sûr. Donc il y a d'abord une approche discrète, un placement par rapport au poisson, et on pêche amont. On a vu sur la Dordogne que la majorité de la pêche était aval. Alors que sur des rivières moyennes, elle est amont, c'est-à-dire on remonte la rivière.
Donc je vais vous faire voir quelques coups qu'il faut utiliser pour mieux présenter la mouche au poisson, qui est toujours le cas, ce qui est toujours la règle de base de la pêche à la mouche. Certains peuvent l'oublier, il faut le rappeler. Donc ce qui est important ici, c'est de présenter dans la veine où se trouve le poisson. Ici, il y a une veine, on la voit bien, hein, et il y a un poisson qui gobe. Donc le jeu, c'est de lui présenter la mouche en lançant suffisamment haut pour que ça lui rentre dans son champ de vision et que ça ne drague pas, bien entendu. Donc je fais ce que j'appelle un coup droit décalé, c'est-à-dire je fais une courbure à la fin de mon shoot pour poser courbe. Je vais vous faire voir. Je crois que dès qu'on pêche à la mouche, la première des règles, et la règle qu'il faut penser à tout moment, c'est de présenter la mouche seule sur le poisson. C'est-à-dire, bien entendu, qu'il ne voit pas la soie, mais même qu'il ne voit pas le bas de ligne. Et grâce à ça, on a plus de succès, où on fait monter les poissons plus difficiles, comme les ombres en particulier, ou les grosses truites, ou les truites difficiles. Alors, il faut toujours penser à poser courbe. Là, je fais un tour en classique. Au dernier moment, je fais un décalé, permet à la pointe de mon bas de ligne de faire cette courbure. Donc le poisson dans la veine ne voit que la mouche. Et en plus, la courbure étant comme ceci, le courant venant comme ça, je retarde le dragage. Donc j'ai meilleure dérive, j'ai plus de temps sans dragage, donc plus de chances de faire monter le poisson. Pour faire la courbure, il faut amortir son shoot. C'est-à-dire que si on tend trop, ça soit sur l'arrivée, c'est-à-dire sur le shoot final, sur le posé, on a un posé rectiligne. Et là, on n'a pas la courbure. Et donc il faut amortir, donner suffisamment d'énergie à la soie, bien sûr, et à la fin, on amortit, on amène la canne ici sur la droite pour faire la courbure.
Hop, ça y est. Là, vous allez pas vous mettre là. Oui, très bien. Là, c'est beau. Ouais. 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 C'est beau. Donc là, je vais bon, expliquer un peu les règles de base de mon lancer. Ensuite, vous mettrez en pratique. Hein. Oui, oui. Voilà. C'est André. 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 Donc, André, il va. Vous pratiquez déjà, mais je vais donner les bases pour quelqu'un qui n'aurait jamais tenu une canne à mouche. Et ensuite, on verra les quelques coups de perfectionnement. Voilà, sortir la soie, parfait. Bon, la première des choses, c'est la prise, à mon avis. Hein. Donc, il y a deux prises de canne possibles, comme ceci. Oui. Ou avec les doigts. Je préconise la prise avec le pouce. Oui, je peux essayer, moi. Vas-y. Voilà. Oui, c'est mieux comme ça. C'est très bien pour moi. Voilà. C'est impeccable. Donc, prise avec le pouce. La règle de base, c'est de propulser la soie. Je vais faire le mouvement final. Ici. Vous avez vu le gobelin, vous voyez ? Le mouvement de base. Voilà le mouvement final. Pour arriver à ça et à l'entraînement, je dirais, hein, pour des gens qui pratiquent ou qui veulent se perfectionner ou continuer d'améliorer leur posé. Hein. Et je peux déjà essayer de faire déjà une fois comme ça, déjà, non ? Si vous voulez essayer pour voir. Allez, déjà, je vais me mettre à droite. Alors, faites-le un peu droit. Un coup droit, alors voilà, un coup droit, c'est ça, voilà. Et je peux. Oh, pas très bien. Hein. Là, c'est mieux. Non. Non, pas. Ouais, il manque un peu de déploiement, voilà, c'est mieux. Alors, je vais vous faire voir. Alors, ça doit être là. Comme ça, peut-être. Voilà, là, c'est mieux. Ah, ben, voilà. Alors, je vais reprendre la canne. Voilà. En définitive, le mouvement est lié. Ce qui compte dans le mouvement du lancer, apprendre, c'est relativement facile, mais il y a des choses de base, c'est un peu comme le tennis ou le golf. Il y a un geste qui est sportif et de base à respecter, et après ça marche tout seul. Le premier des gestes ici, c'est de respecter un cadran 10h midi. Voilà, 10h midi, ne pas dépasser, souvent on va trop loin derrière. La base, c'est 10h midi. Ici, midi, 10h. Ah, voilà. 4. Alors, je vais déjà faire ça. Vas-y. Hein? Alors, 10h. Voilà. 10h, midi. Là, midi, 10h. Voilà. Voilà. C'est bon comme ça? Ouais, ouais. On va aller un peu plus vers le 10h et un peu moins. Voilà, ici. Là. Tac. 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 Ah, bah, c'est un peu comme ma pendule chez moi à la maison. On est trop drôle. Et là, là. Voilà, là, c'est mieux. C'est mieux comme ça? Voilà. Ah, ben voilà. Alors, maintenant, vous allez arrêter. Oui. Dans ce cadran de 10h midi, ici, le plus important, c'est de respecter un arrêt. Ici, sur le midi et sur le 10h. Pour laisser la soie se déployer. Et ensuite, sur le posé, ici, le posé n'est que la continuité du mouvement, il ne force pas. C'est-à-dire, je vais à midi, je vais à 10h, je respecte. Par exemple, pour s'entraîner, je fais commencer qu'à une main. Et vous, vous fouettez avec les deux mains. Au départ, quand on maîtrise la canne, on utilise la main gauche. Mais au départ, dans les premiers mouvements, on n'utilise pas la main gauche. Et on fait que le premier exercice, c'est ça, poser, arracher. C'est-à-dire que je commence à 10h, je vais à midi et je reviens à 10h. Là, en bas de ligne, il se déploie. Hein. Mais alors, tac, tac. C'est pour sentir le travail de sa canne. D'accord. Arracher, poser. D'accord. Arracher, poser. Il faut essayer. Hein. Ensuite, je vais vous faire voir que vous ferez comme oui, que vous pratiquez déjà. Oh, pas beaucoup. Pas ensuite, beaucoup. On fait des faux lancers, ce qu'on appelle. C'est-à-dire, je vais là et hop, je reviens. Ah, voilà. Ouais. C'est-à-dire, au lieu de laisser poser, je suis à 10h, là, je reviens à midi. Ça me permet de viser. Voilà. C'est ça qui va permettre ensuite de sortir de la soie ou de rentrer. Et on pose. Et on pose. Ensuite, vient le travail de la main gauche. Quand on a bien acquis ce mouvement, qui est le mouvement de base, quand on a comme bien ce mouvement, tant dans le tempo, hein, un tempo, un rythme, avec surtout les blocages sur le cadran. Ça pose pas de problème. Quand on a acquis ce mouvement-là, on prend sa main gauche. On commence à rentrer de la soie, c'est ce qu'on appelle le shoot, et on ressort. Hop, 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 et on pose. C'est-à-dire que sur tout le mouvement, là je reprends des brassées de soie, là, je raccourcis, ça me sert dans ma dérive, ça.
sur chaque shoot avant, je laisse pas partir sur l'arrière, bien sûr, mais sur chaque shoot avant, là je laisse partir et je garde la dernière brassée pour le poser. Voilà. Quand vous savez faire ça, tout le maniement du lancer. Les truites, en quelque sorte, ils n'ont plus qu'à bien se tenir, c'est ça? Alors ça, c'est pas tout à fait ça. Ah, c'est pas tout à fait encore. Alors, ça serait trop beau. Ah, ça serait trop beau. Ah, alors là, alors, là ça, non, c'est... Si vous voulez, ça, effectivement, moi, c'est une bonne question. Le travail de la canne, ce que je vous ai fait voir, c'est le travail de base de l'outil. Ce que je considère, moi, le plus délicat, qui est le plus intéressant à la fois, c'est toutes les dérives ensuite, les mouches, etc. Comment présenter correctement sur un poisson qui gosse, où il faut que je pose ma mouche, ça demande de la précision. Et la précision, là, quand on a le maniement de canne. Bien sûr. Donc ça passe par un maniement de canne correct, pour ensuite pouvoir pêcher avec des dérives correctes. Il faut d'abord s'entraîner. Voilà. Voilà, ça c'est certain. Ça, je m'en suis aperçu. Alors, vous allez essayer là, les exercices, et ça, je recommence. Alors, c'est-à-dire le premier. Voilà. Je pose, je vais à midi, je laisse faire ma soie derrière et je reviens. Voilà. Ensuite, c'est la même chose, sauf que je laisse ma soie dans les airs. Tac, tac. Je la pose. Ensuite, vous reprenez votre brassée. Voilà. Est-ce que je vais me rappeler de tout ça? Je vous guiderai. D'accord. Et hop, et on pose. Et on pose. Eh ben alors, on pose et on se repose. Voilà. Hein? Allez-y. Alors, prenez pas la soie à la main gauche dans un premier temps. Alors, dans un premier temps, je tire, voilà. Je fais. Voilà. C'est ça. Voilà, et vous posez. Ça, vous êtes au fond lancé. Posez. Voilà, là, c'est bon. Voilà. De là, vous partez, vous vous arrêtez à midi. Si, je m'arrête tac, à midi. Et vous revenez à 10h. Ah, 10h. C'était pas bon, hein. Tac, tac. Voilà, là, c'est mieux. Ah, c'est mieux. D'accord. Ça va beaucoup mieux. Bien arrêt à 10h. Ah, c'est voilà. Bien. C'est bien comme vous expliquez. C'est très bien. Tac, tac. Voilà. Ah, bon. Avec l'arrêt. Avec l'arrêt. Il faut bien laisser faire la soie. Oh, oui. Comme ça. Voilà. Ah, voilà, j'ai compris. On fait comme si on peut. Comme ça, ça va? Voilà. Oh, regardez. C'est l'arrêt à 10h qui permet le déploiement de la soie. Pourvu que j'en ai pas un, vous avez vu. C'était pas loin. C'était pas loin. Et autrement, rien qu'avec la courbure, ça suffit. À contre-aval, il faut casser le truc pour faire du zigzag. Bon, carrément, je laisserai aller. Comme on est sur ce coup, hein, c'est-à-dire le courant qui vient, la veine d'eau venant à gauche, pour avoir la courbure, on fait ce qu'on appelle le revers. C'est un coup primordial qui est, à mon avis, relativement peu utilisé et pas assez utilisé. Donc le revers. C'est la même chose. Ici, le cadran, hein, midi 10h. Midi 10h. Je fais travailler ma canne dans l'intervalle, mais simplement dans l'intervalle, et je pose. Et grâce au revers, j'ai ma courbure de soie et ma courbure de bas de ligne, dont le poisson voit la mouche en premier. Ça, c'est pour pratiquer le fouet. Si ici j'avais un arbre, et pour faire le tout droit, je ne pouvais pas. Donc là, revers, je passe dans l'axe de la rivière et ça passe. Le deuxième intérêt du revers, c'est d'avoir une courbure dans la dérive sur le courant. Voilà. Donc, bien canne horizontale, blocage en midi, blocage en 10h, et on laisse faire. C'est un joli coup. Oui, c'est un très joli coup. C'est un joli coup, c'est même élégant, c'est très joli. C'est beaucoup de. C'est un coup relativement naturel en plus. Voilà, c'est ça. On va essayer de mettre la canne plus horizontale. Voilà. Et c'est pas encore ça. Non, hein. Avec tac. Ta... Faites des faux lancers, oui, ça vient. Alors, faites des. Tac, tac. Voilà, ouais, voilà. Il faut que vous arriviez à mettre votre canne plus horizontale. C'est plus horizontal. Voilà, là, je vous découpe. Allez. Ouais. Essayez. Attendez, je vais le faire ensemble. Mettez votre main. Voilà. Ouais. Alors, lâchez la main gauche. Je lâche la main gauche. Ah, d'accord. Hop. 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 Voilà, là, on est bon. Alors, hop. Hop. Ouais. Hop. Hop. Nickel. Parfait. Voilà, là c'est du bon. Ah oui. C'est vous voyez, vous avez la courbure qui est bonne. Ouais. C'est très joli à voir. Voilà. C'est bon. Ça va. Marron retrouve son cours naturel de torrent de moyenne montagne. Bon, on va aborder la pêche en eau rapide, c'est-à-dire comment aborder une rivière
où il y a de l'eau vive, des courants, des postes. Donc pour être le plus efficace possible sur ce genre de rivière, bon, j'utilise la même canne, donc une canne longue, 10 pieds et demi. Mais par contre, je vais changer la soie et je vais monter une soie beaucoup plus fine, qui est une soie naturelle. Nous verrons après que cette soie naturelle permet, étant donné sa légèreté, d'avoir la précision sur les postes et de pouvoir lever, ce qu'on appelle. Et donc ainsi de limiter le dragage. C'est une technique ancestrale, très pratiquée dans le Limousin, qui s'est un peu perdue. Hein, c'est une pêche de terroir. C'est pratiqué aussi dans les Pyrénées, souvent dans les régions de montagne ou de moyenne montagne. C'est une pêche à deux mouches, c'est sa particularité. C'est une pêche qui allie toutes les techniques de pêche qu'on puisse rencontrer. C'est à la fois de la sèche, à la fois de la noyée amont, de la noyée aval, de la nymphe. Relativement simple au niveau des mouches, j'utilise tout au long de l'année les mêmes mouches. C'est une pêche de poste, hein, différentes tailles, mais la même sorte de mouche. En bas de ligne relativement court, pour être précis. Et donc j'ai une potence sur la fin de mon bas de ligne. Donc je vais ici fixer la mouche noyée à 50 cm. Je vais mettre ma potence et ma sèche. La mouche noyée en pointe. J'utilise ce qu'on appelle un bibi ou une palareta. La mouche noyée imite la larve qui décolle du caillou pour venir éclore à la surface. Ce qui compte dans une mouche noyée, c'est le mouvement. C'est les courants qui vont l'animer. Ensuite, je monte la mouche sèche. Alors, deux solutions, ou un palmeur, gris, tricolore, la French tricolore par exemple, qui est une mouche très connue de tout le monde, ou alors une araignée. Une araignée toute simple, ici en aqueule de corésien, hein, pour la brillance et l'impact à la lumière, corps rouge ou jaune. Relativement volumineuse, il est important de la voir. Une pêche au milieu des courants, il n'est jamais facile de voir la mouche. Donc il faut, et comme c'est une pêche précise de pêche de poste, c'est important. Il faut mieux mettre une mouche légèrement plus grosse que la normale. C'est un petit truc. Alors attention sur les montages à potence, pour éviter les amélages, il faut que la potence soit relativement courte. Hein. Je fais entre 5 et 8 cm. Voilà, j'ai donc la même canne, longue, entre 10 pieds et 11 pieds, voire plus. Une soie très fine, naturelle, un bas de ligne relativement court et un montage à deux mouches, une noyée et une sèche. Il ne me reste plus qu'à graisser la soie puisqu'elle est naturelle.
Dès que le soleil décline à la limite des ombrages et se reflète dans le miroir vert bleu de la Dordogne, il se produit sur l'onde un phénomène étrange lié au cycle de la vie et qui est l'un des instants privilégiés de la journée d'un pêcheur. La température s'est en fait moins intense, durant quelques minutes, éclose par millions les éphémères. C'est un instant magique, car tous les poissons remontent à la surface pour gober cette manne d'insectes, permettant ainsi aux moucheurs de réaliser une pêche miraculeuse que l'on nomme le coup du soir. Je vais finir par me baquer. Hein? Je vais finir par me baquer. La nuit a descendu ses courtines sur la Corrèze. La lune pleine et lumineuse éclaire un instant la silhouette de Jean-Pierre Coudou, notre guide pêcheur, pour cette randonnée les pieds dans l'eau.
Donc, je vais vous parler des mouches artificielles que j'utilise, avec lesquelles j'ai pêché. Bon, au niveau de l'entomologie, c'est un vaste sujet. Il y a beaucoup d'insectes aquatiques. Il y a les grandes familles des éphémères, des trichoptères, des plécoptères. Pour la Maronne, on a utilisé une collection de mouches qu'on appelle les timatales. Ce sont des toutes petites éphémères. Qui sont fabriqués avec des plumes de coq du Limousin, des corésiens, ce qu'on appelle, qui sont élevés exprès, c'est une race de coq élevée exprès pour la qualité des plumes. Alors, il y en a de différents aspects, hein, de différentes queues. Le tag étant le queue, ici il y a une rouge, une orange. Alors, il y en a toute une série, hein, je vous en présente quelques-unes simplement. Hein. Ça c'est les timatags, c'est pour la pêche de l'ombre et la truite également, hein. C'est une mouche qui a été fabriquée pour les poissons difficiles, qui flotte assez bas sur l'eau, c'est une très bonne mouche. Ensuite, dans une des actions, nous avons fait un coup du soir sur la truite et nous avons utilisé donc une imitation de trichoptère, une émergente de trichoptère exactement. Là, ça c'est la mouche du coup du soir. Donc c'est une mouche que l'on anime sur le gobage, c'est pas vraiment du sedge qui drague, mais pratiquement. Hein. Mais c'est plus une animation sur le gobage. Voilà. Ensuite, nous avons fait la pêche en eau rapide, et là on a utilisé un montage à deux mouches. J'ai utilisé à la fois une araignée, c'est une classique en Corrèze, c'est la grise. La grise à corps jaune ou la grise à corps rouge et un bibi, qui est une émergente de frigane. Voilà, ça c'est le montage de l'eau rapide. On aurait pu utiliser également, et ce que j'ai fait en action de pêche d'ailleurs, un palmeur, tout en gris, corps rouge. L'intérêt du palmeur, c'est que ça imite l'ensemble des éphémères qu'il y a sur l'eau. Hein. Même le sedge en vol. Et une palaretta. Voilà. La palaretta étant la mouche noyée, bien sûr. Tout au long de mes actions de pêche, à un moment donné, on s'est retrouvé face à des poissons difficiles, en particulier de l'ombre. Et j'ai été jusqu'à utiliser des émergentes, donc qui sont des mouches qui sont légèrement dans la pellicule. Je vais vous en faire voir une. Une oreille de lièvre. On appelle une oreille de lièvre. Voilà. Au niveau de mes boîtes à mouches, je suis relativement d'une école de la simplicité. Il y a beaucoup de sortes d'imitations d'insectes. Je pense qu'il y a des notions simples d'entomologie, mais que tout le monde peut trouver. Il existe des très bons livres qui ne traitent que de ça. Ensuite, je crois qu'il faut être observateur, regarder les mouches qu'il y a sur l'eau, et ne pas se compliquer si vous avez 2000 mouches dans votre gilet, vous ne savez plus laquelle choisir. Cette cité-forteresse, au lieu de la chevalerie du Limousin, dressée sur un éperon rocheux surplombant la Maronne, fut pendant longtemps un repère inaccessible, les Tours de Merle. Qui a maison à Userche, à Château en Limousin, disait jadis un dicton du pays. Il faut voir encore de nos jours la cité depuis les hauteurs qui dominent la Vézère pour s'en convaincre. L'un des plus beaux villages de France. Cette modeste bourgade porte un nom célèbre, celui du Grand Turenne. La cité marquée par les souvenirs de son passé s'étage au-delà de la vallée de la Dordogne. La Dordogne en pays corrézien, ses courbes voluptueuses. Tout ici est vert et la nature semble aussi profonde que mystérieuse. Comme la fermeture à glissière d'un épais manteau de forêt, la Maronne serpente au fond de ses gorges. Sur une crête aux confins de la Corrèze et de la Dordogne, Saint-Robert, un charmant village médiéval. Trois châteaux, trois églises romanes et de nobles maisons à tourelles. Curemonte, la majestueuse.
juste au-dessus des vallées de la Vézère et de la Dordogne, entre les deux rondeurs mauves des Mondières et le plateau 2000 vaches, le pays des Égletons est l'un des sites les plus attachants de la Corrèze, le château de Puy-de-Val et son écrin. Lissac-sur-Couze et ses toits d'ardoise. Le lac du Causse corrézien, paradis des sports nautiques, 200 hectares de fraîcheur scintillant sous le soleil. Les gorges de la Vézère, un long ruban d'angélique à déguster avec les yeux. Cité ancienne, cité moderne, Tulle la ville aux sept collines, chef-lieu du département de la Corrèze. Le marché de Brive-la-Gaillarde, immortalisé par une chanson de Georges Brassens, annonce la couleur du bien boire et du bien manger, comme il est de tradition dans tout le sud-ouest. Sur le plateau des Mille Sources, Ussel offre un visage sympathique et anime un ensemble urbain typiquement corrézien. Mémac, l'un des joyaux de la Corrèze. L'abbaye Saint-André. Retour à Brive-la-Gaillarde. Le musée La Banche, ancien logis des Clarisses, siège de la société historique, scientifique et archéologique du pays. Saint-Robert, un charme ô combien médiéval. Collonges-la-Rouge. Le château de Val aborde les orgues. Le château de Sédière. La cathédrale de Tulle. Le musée du cloître. Les quais d'Argentat sur Dordogne. Beaulieu. Sa chapelle des pénitents. Son abbatiale Saint-Pierre. Chef-d'œuvre de l'art roman. Ségur vous invite à la flânerie dans son cadre Renaissance. Le lac des Barius à Trégnac. Son pont sur la Vézère. La célèbre marquise de Pompadour a habité ce château dont l'hippodrome est fort réputé. Gimel, la Vierge des Cascades. Suivez la montagne qui se fraye un chemin au milieu des rochers et se précipite en magnifique cascade de 143 mètres de hauteur. Au calme, au vive, ici on dépasse ses limites. En plein dans le mille, l'œil vif et le bras tendu. Oh, Is. Sur le green, l'espace d'un 18 trous. Le plein de nature, que ce soit à cheval, ou en VTT sur les chemins de découverte. Le corps en mouvement. Pour la beauté du geste.